Donc, pour le groupe, oui, c'est souhaitable de développer de nouveaux axes de Navibus afin d'alléger la circulation routière. Nous proposons élargir donc les Navibus à la Basse-Île, à la Haute-Île, aux Machines de l'Île, créer entre les rives, après les bacs du Pèlerin et de Couéron, des Navibus, ce qui permettrait que le quai de Chantenay pourrait être un arrêt, créer entre la gare Sud et jusqu'à Trentemoux. De ce fait, cela amène des créations d'emplois. Quand est prévu des arrêts pour les Navibus, prévoir un quai plus grand pour arrêt des bateaux de plaisance et donc des commodités sanitaires, la ligne de chemin de fer désaffectée entre la gare de Pont-Rousseau et l'ancienne centrale à charbon en bas du pont de Cheviré doit être mise en fonction pour développer l'activité économique et touristique, avec entre autres un arrêt à Atout Sud et donc les bus qui amènent vers Trentemoux aussi. Et pourrait desservir un arrêt de Navibus sous le pont de Cheviré comme pour le quai de Chantenay. Pour la deuxième question, donc sur les buts de Sainte-Anne, l'île de Loire et Cheviré, et Rezé, créer un transbordeur entre la butte de Sainte-Anne et l'île de Nantes, et de l'île de Nantes, faire la jonction avec un busway ou un chronobus pour rejoindre le train pont de Cheviré, gare de Pont-Rousseau. Voilà.